à tout le monde, c'est Azurik Perathia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1112 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous d'un épisode précédent, on avait commencé le scénario La sorcière de l'étrange forêt, dans lequel on l'avait vu commencer, mais c'est un scénario très compliqué, hein, vous imaginez bien. C'est très compliqué, tous les ennemis ont un boost de vie de façon considérable. Et du coup, ben voilà, aujourd'hui on va normalement terminer en mode héroïque, évidemment on est en mode héroïque, hein, sinon ce n'est pas du jeu. Et du coup, ben voilà, on va normalement terminer. Oh shit. On va attendre un peu, hein. Et voilà, on l'a éteint. Et c'est parti. Et évidemment, il y a le retour des guildos, encore une fois. On peut voir qu'ils vont tous se diriger vers l'arbre mojo. Donc déjà, au cas où, là, il y a ce truc. Oh là là. Ah, super. Merci. Les gars. Vas-y. Déjà toi on va te calmer. Oh lolo. Oh lolo lolo. Voilà. Ça c'est fait. Prendre ça. Maintenant il faut réussir à affronter les guildos et à les buter. Un garde apparaît. T'es sérieux? Oh, what? Ok. Ok. Ça m'arrange que tous les guildos sont de là, pratiquement. Oh là là. Oh. Vous avez vu le monde qu'il y a? On est bientôt à 3000 KO quand même, hein. Je veux pas dire, mais... Mais voilà, je l'ai dit. On est bientôt à 3000 KO. Ok. Allez, go. Il se redirige vers l'arbre mojo, quoi. D'ailleurs, l'arbre mojo, il a pu respirer un peu ou pas? Waouh, même pas. Il a même pas baissé en termes de... Enfin, il a même pas augmenté en termes de trucs. Voilà, ça c'est fait. Ouais, il se dirige là-bas. Après, il faudra aller les affronter, hein. On va prendre le fort qui est là. Merci. L'apparition des boss il fort. Oh là là, on met tellement pas... On fait tellement pas de dégâts. C'est atroce, hein. Mais ils sont au milieu, quoi. Faudra se téléporter quand on pourra. Voilà. Ah, évidemment, ça suffit pas. Tac. Merci, le coffre. Ok, c'est que pour des rubis. Bon, ben maintenant, il ne manque plus que... La zone centrale est un peu en haut, c'est bon. Ah, je suis désolé, j'avais un ongle qui me cassait les couilles. Ah ben non, en fait ils ont réussi à le tuer, non, le guildo? Je crois qu'ils ont réussi à le tuer, le guildo, hein. Tac 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 tan 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 la 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 la. Enfin, Link s'en sort. Par contre, s'il vous plaît, champ de bataille, non, ordre, n'allez pas directement sur le truc en question. Voilà, va affronter les différents guildos. Il y en a 50 000 d'ailleurs. On va reprendre les chefs de poste et on va finir le travail tout simplement. Putain, le nombre de points de vie, c'est atroce. Hein. C'est concrètement... Merci. Le chef de poste qui est la même chose, la même couille évidemment. Tac. Parfait. Ça suffit. Le guildo, tiens. Comme c'est bizarre. Tac. Voilà. Un autre problème en moins. Enfin, il manque plus que encore l'affronter, mais bon. Pas de dégâts quoi. Waouh. Il est où le guildo? Ah, il était au-dessus du champignon encore. Faut vraiment se mettre au-dessus du champignon. C'est ouf qu'ils n'ont pas corrigé ce problème dans cette version. Allez, go! Merci, enfin. Putain, on est bientôt à 1111. Hein. On a bientôt passé un niveau full ici. Eh bah dis donc. Décidément on s'arrête plus. Hein. Ah, difficulté encore. Hein. Ça. Ça sans doute. Hein. 3500 KO. Ça veut strictement rien dire. Hein. Voilà, et là il va y avoir les guildos, évidemment. La jauge de magie, je la garde uniquement quand on aura le... On sera en train de battre le... La petite... Le Goma. Oh là là, oh là, oh là, oh là. Vous savez quoi, on va calmer tout le monde parce qu'il y a trop de monde ici. Voilà. Tac. Pour le monde qu'il y a. What the fuck. Tac. Donc on a bataille effrénée. On va atteindre les 4000 KO quand même, rendez-vous compte. Hein. Tac. Voilà. Un de moins. Tac. 4000 KO. Oh mon dieu. C'est une horreur. Ok, les 3. Oh, j'ai réussi à avoir les 3. Ok, il y en a un de moins. Presque un moins, mais... Voilà. Il y en a bien deux, un autre en moins. Ah, ah il m'a fait ultra mal. Oh là là. Oh, que c'est chiant. Tac. Fort pris. D'accord. Pourquoi pas après tout. Pourquoi pas. Oh là là. Oh là là. Attention. Allez. Oh là là. Mais c'est incroyable. Il fait trop mal. Merci. Un garde à moins. Allez, 4000 KO quoi. Rendez-vous compte. On est à 4000 KO et on ne s'arrête pas. On dirait qu'on est en train de faire une épreuve de survie. Non mais concrètement hein. Là on dirait vraiment qu'on est en train de faire une épreuve de survie. Tac. Merci pour les cœurs là, on en a besoin. Vas-y. Ah fuck. Voilà, difficulté. Oh là là, putain, il fait trop mal. Et voilà. Et voilà, boum. Bon, eh ben dis donc, on en avait des ennemis ici, hein. C'était infernal. Bon, Goma il va venir. Ouais. Il va venir. Et Insero. Et du coup là il va y avoir normalement Goma. Ouf. Et voilà, Goma. Imaginez d'affronter le spectral Ganon. Imaginez affronter Ganon. Goma, cyclope démoniaque cuirassé. Ok. Il est là. Combien on lui fait envie? Juste pour rigoler. Alors déjà, on lui fait pas mal. C'est très drôle, on lui fait vraiment zéro dégâts. On lui fait zéro dégâts. Pour rigoler. Non mais c'est impossible. Preneur de fort. C'est impossible les gars. Non mais concrètement... Allez, notre niveau actuel, mais c'est infaisable, c'est impossible. Ah, je suis désolé, mais c'est impossible. Oh, le fils de chien. C'est où il est allé. Et là, on est complètement dans la merde. Je vous le dis, hein. Je préfère être cash avec vous. Oh. Par contre, ouais, il fait mal. Allez, regardez la... Oh là là, l'arbre. C'est pas un bon bail qu'il est ici. Je vous le dis. Non, on est passé au niveau. On est passé au niveau. Oh là là. On est clairement passé au niveau là. Je suis désolé, mais... Non, la barre de vie. Comme elle baisse de fou. Non mais ça marche pas. Ça serait bien qu'on arrive à la faire fuir. Viens ici. On va essayer de la faire tourner là, voilà. On va être stratégique, voilà, parfait. On va la faire stratégique, hein, je vous le dis. Il faut en aucun cas qu'elle vise un petit peu les autres. Oh là là. Par contre, ordre. Link. Heureusement qu'on a des réceptacles de cœur. Hein. Putain, mais vraiment. Heureusement qu'on a des réceptacles de cœur. Hein. Allez, ça nous fera notre numéro 3. Bien, on lui a rien fait. On va lui laisser aucun répit là pour nous niquer. Imaginez Ganon. Non mais concrètement. Hein. Non mais imaginez Ganon. Hein. Là le problème c'est que ça va être... c'est pas possible. C'est concrètement comment tu veux faire. Ok. Vite, viens ici. Allez viens. Parfait. Il en a touché qu'un. Non mais c'est des malades. C'est des malades aujourd'hui. Et vous voulez que je continue là-dessus? Mais comment tu veux? Non mais comment tu veux faire? Je suis d'accord, on est niveau 110 mais quand même. Allez, 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 allez. Et allez, stop. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Voilà, stop. Là, là. Là, on est bien. Plus personne. Parfait. Viens ici. Allez. Non, non, non. Viens ici. Allez. Mais il est con, ce Goma, putain. Mais c'est une blague. Il est... Mais il est bugué, là, Goma, non? Hello, allez. Oh là là. Là, on va être dans la merde. Je vous le dis, hein, je suis désolé, mais... Alors là... Allez, numéro 4, une 5. Je sais même plus à la fin, 3-5. Et c'est pas suffisant. Parfait. Il part de là. Ah, je pensais qu'il partait. Oui. Dis-moi qu'il réapparaît là-haut. Ok. Oh là là, 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 oh là là. Oh là là, oh là là. Non, mon bébé, qu'est-ce que tu fous, mon bébé? Fais pas des bêtises, mon amoureuse. Fais pas des bêtises, mon bébé. Et elle apparaît où, Shake? Ah, après, elle a dit qu'il était temporairement, donc ça veut dire qu'elle va réapparaître au même endroit. Ça, c'est des chances. Oh là là. Récupère de l'énergie vitale. J'ai juste envie de crever là. Allez. Reprendre. Faut reprendre le fort. Ouais. C'est pas cher, il faut que je reprenne le fort. C'est des malades. Non mais vraiment, c'est des psychos. C'est une Goma version hardcore. Non mais concrètement. Je comprends que c'est comme ça que je l'appelais l'épisode. Oh là là, là putain, là, je prends un peu d'énergie quoi. Oh que j'ai le seum. Allez. Elle va quitter temporairement pour aller de l'autre côté, là où c'est rouge, c'est ça? Non, ça va. Pour le moment, allez. Tant qu'elle va pas au milieu avec l'arbre mojo, ça m'arrange. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là, que c'est hard. Allez. Putain, mais c'est incroyable. Merci. Urgence. Oui, je sais que c'est en urgence. Comme vous pouvez tout faire. Évidemment, ça ne suffit pas. Ordre. Impa. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais c'est des malades. Mais c'est des malades. Mais regardez, non mais... On peut rien faire. Il est malade. Un problème en moins. Mais elle est conne, Shake. Mais vraiment, je suis désolé, mais j'ai envie de l'insulter de tous les noms, quoi. Ah oui, Link est en danger. Ah oui, oui. Link est en danger méga d'ailleurs. On va le mettre, Link. Je suis désolé, mais on va le mettre là. C'est des malades. Non, mais concrètement, je vous le dis. Hein. Eh bah dis donc. Voilà, ça je m'en doutais. Ça servira à rien. Il faut du coup fatal, ça serait bien d'avoir du coup fatal. Coup fatal, ça serait bien, s'il te plaît, du coup fatal. Ouais, en fait j'aurais même pas augmenté la barre quoi. On a combien? 30 minutes, une demi-heure? Ouais, une demi-heure. Oh putain. Ok. Allez. Allez. Come on, come on. Thank you. Allez. Allez. Allez, là on la défonce là, non? Oh mais j'ai pété les plombs, il reste rien. Et là on peut pas la toucher, ça sert à rien, vous avez vu, on peut pas la toucher. Elle est protégée, c'est le seul, les boss on peut pas les toucher quand ils sont protégés comme ça. Putain. Allez, tu meurs. Allez, hop. Oh mon dieu, j'en pouvais plus. Oh, que c'était horrible. Ah bah putain, bah je vous dis, l'épisode 1113 ne sera pas dans le mode légende. On va vraiment... Putain, comment tu veux faire? Voilà, il faut en faire de temps en temps. D'accord? Genre, chaque début de... Genre, chaque semaine, il faudra en faire un. Je dis ça, mais je suis même pas sûr. Putain, comment tu veux? Non mais concrètement, quand tu veux. Oh. Mais c'est des baisers, mais c'est des baisers. Pourquoi avoir fait un mode comme ça? Cette cutscene, cette OST, pardon, vous pouvez la retrouver dans mes OST que j'écoute le plus. Hein. For generations, Hyruleans have told the tale of the war across the ages. This is how it begins. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu ces cutscenes, ça fait du bien. Mais j'ai juré, c'est des baisers, c'est ce mode de jeu, ce mode de difficulté. Et je veux le faire avec tous les persos. Bon, on sera 255 à des armes cheatées, mais bon. On le fera, hein. Je vous ai promis, hein, ça, je vous en parle depuis presque 700 épisodes. On le fera, hein, mais... The sorceress should have seen that the hero was bound to another. Instead, she saw only a soul that was unlike any she had known. And while the sorceress was preoccupied, a fragment of darkness, locked in its prison, saw an opportunity. The whispering darkness wormed its way into her heart. It pushed the light away and warped her curiosity into a desperate desire to possess the legendary hero's soul. Ah oui, mais c'est vrai que dans le prochain scénario, on affronte aussi un. Et on affronte aussi un Mandela. Ah putain, la merde. J'ai envie de m'enterrer. Et on le fera avec Lana en plus. Il y a même intérêt. Si je ne sors pas de mon trou, c'est normal. Hein. Un mode héroïque. Comment tu veux faire? Non mais concrètement, vous l'avez vu même avec Link, il est arme à 750, il est niveau 250, on a mis 10 ans à battre les preneurs de fort. Non mais je suis désolé, mais je... Oui, merci x2, merci du truc, hein, je le mérite amplement. Hein. What the fuck, quoi. Et on doit le faire avec l'âne, oh lolo, oh lolo. 16 900 rubis, 11 100 rubis, 2000 rubis. 6800 rubis avec une acide de goma et 14 bandelettes de Gibdo avec un haricot magique et non mojo et 3 champignons suspects. Oh putain, ouais. Oh my fucking god. Oh, je suis en train de penser. Il y a un banni là-dedans. Il y a un banni là-dedans. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Là-dedans il y a Ganon. Là-dedans il y a Ganon spectral. Non mais non, mais non, mais c'est impossible. Non mais je... concrètement. Non mais honnêtement. Comment tu veux faire? On est full vie, enfin presque full vie, on se fait défoncer. Comment tu veux faire? Et c'est pas possible, il faut une arme ultra cheatée, il faut réussir à se créer une arme de malade mentaux quoi. Avec attaque force 2, attaque force 4, attaque force 5, attaque force 6, attaque force 8, attaque force 100, attaque force 1000, what the fuck. Non mais vraiment, il faut se faire deux armes. 3, 2, 3, 2, 3. Première arme, il faut faire que des attaques. Attaque 2, attaque 3, attaque, tac, 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 tac. Pour vraiment des trucs où on galère comme un chien, comme là. Aussi, il faut faire une attaque, une arme. Rubis plus, matériaux rares plus, aliments rares plus. Bref, tout ce qui est à plus, quoi. Il faut faire une arme avec de l'anti-soldat, de l'anti-machin-chose, de l'anti-machin-chose, de l'anti-machin-chose, qu'on combine tous sur une même arme. Avec des slots de malade. Arme à 750, évidemment. Ouais, c'est le temps du string. Oh putain, et on doit faire ça. Là, ce sera pas dans l'épisode prochain. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 1112 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. On fera de temps en temps. Je pense que voilà, quand on a envie de... J'ai envie, mais le problème c'est que tu peux pas. Tu peux pas. Donc quand, genre peut-être la semaine prochaine ou les semaines d'app qui arrivent, on a envie de se plonger dans le mode aventure, dans le mode légende, on se plongera dans le mode légende. Mais du coup, on continuera du coup notre aventure dans l'épisode prochain, dans le mode aventure. Tout simplement, on y retournera. Et on ira du coup dans la carte de Koholint. Voilà, on est à 26%. Et on fera certainement la prochaine case. Voilà, on a du matériau, enfin on a des sculptures de partout. On a... Voilà, on va essayer de faire un petit peu des trucs comme ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Je pense qu'on fera cette case à l'épisode prochain. Comme ça on pourra terminer sur une belle récompense entre guillemets avec Marine et les deux sculptuladors. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 1112. Et on se dit à l'épisode 1113. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.